dans cette vidéo, on va parler de comment réussir vos photos de vacances. Alors ça, c'est les choses qui sont essentielles pour ne pas partir et revenir bredouille. Première chose importante, c'est de ne pas partir avec du matériel que l'on ne connaît pas. Si on a acheté un appareil photo neuf et qu'on ne le connaît pas du tout, c'est pas une bonne chose. Impérativement, apprenez à savoir comment il fonctionne. Plongez-vous dans la notice avant de partir en vacances, avant de partir avec. Si vous prêtez du matériel, regardez impérativement comment ça fonctionne. Sinon, vous allez au-devant de grandes désillusions. Si vous posez-vous la question de savoir qu'est-ce que vous allez prendre en photo, si vous allez faire du paysage, si vous allez faire de l'animalier, faites bien attention à ça pour savoir quelle optique prendre si vous avez un appareil photo réflexe. Si vous êtes en APS-C, vous avez fait apprendre 18-200, ça sera très polyvalent. Si vous avez un full frame, peut-être un 28-300. Si vous êtes fan d'animalier, vous voulez des choses, aller chercher loin. Donc vous avez un petit grand angle et puis vous allez pouvoir avoir un télé qui va vous permettre d'aller voir plus loin. Je dirais, en règle générale, 24-105 pour un full frame, c'est bien en termes d'optique standard et polyvalente. 18-200 sur de la PSC, ça sera sympa. Donc voilà, essayez de voyager léger. Moi, pour ma part, j'ai choisi un appareil photo hybride. J'emmène pas mon matériel en vacances. J'ai préféré faire très léger. J'ai pris un Alpha 6000, un hybride Sony. Ça prend pas de place, c'est vraiment très pratique. Parfois, il est bien aussi d'emporter un trépied. Si vous voulez faire du paysage de nuit ou des choses comme ça, des pauses, n'hésitez pas à acheter un trépied. Il en existe de très pratiques qui ne prennent pas de place. Ensuite, élément important, n'hésitez pas à repérer. Regardez sur Google Earth, Google Maps, regardez les lieux que vous voulez voir. Vous avez des possibilités de connaître les endroits avant d'y aller. Et comme ça, vous pourrez vous savoir où aller précisément pour avoir telle prise de vue. Une fois sur place, n'hésitez pas à regarder les cartes postales que vous voyez dans les différentes échoppes. Ça vous permettra de repérer les angles, les prises de vue et qu'est-ce qu'il y a à faire comme photo. Ça peut être intéressant aussi. Après, c'est pas parce qu'on est en vacances qu'il faut oublier la technique. La technique, c'est essentiel pour pouvoir réussir de belles photos. Donc pensez bien à votre mode de prise de vue. Si vous êtes sur du paysage, prenez une priorité diaphragme, c'est préférable. Si vous voulez faire un portrait des membres de votre famille, pensez toujours priorité diaphragme, je floute le fond, je floute pas le fond, je pense au fond, qu'est-ce que j'ai comme fond. Vous voyez ici, on a un fond super sympa pour faire du portrait, ce genre de choses. Et puis en même temps, n'hésitez pas à bouger, à changer d'angle, regardez un peu. Dès que vous voyez des gens qui ont du matériel de photo, des trépieds et compagnie, regardez où ils vont, regardez d'où ils viennent. Ça peut être intéressant aussi de voir ce que font les collègues. Chose aussi, n'hésitez pas à emmener un polarisant. Ça prend pas de place. Un filtre polarisant, puis ça peut vous permettre de faire des photos différentes des autres. Pensez à la composition. Ça fait partie du béaba de la photo. La composition. Alors, règle des tiers ou pas règle des tiers, ça sera à vous de voir en fonction de votre sujet. Et puis, quelque chose d'important aussi, avant de faire une photo, c'est de photographier avec ses yeux. Profitez-en aussi avec vos propres yeux, avec votre propre regard. Profitez-en pour bien regarder. Parce que c'est dommage de ne rien voir et de tout voir à travers l'appareil photo aussi. Prenez le temps aussi de profiter pour vous-même et de photographier avec les yeux. Et n'hésitez pas, c'est important que dès que vous voyez quelque chose, que ça déclenche une émotion en vous, à ce moment-là, vous pouvez faire votre photo. Mais ne cherchez pas systématiquement à tout voir à travers l'appareil photo et d'avoir la déclenchite aiguë et de ne pas profiter de vos vacances parce que vous êtes en train d'essayer tout le temps de chercher la belle photo. Non, profitez, vous êtes en vacances, n'oubliez pas ça aussi. Tranquille. Merci à vous et puis à très vite sur commentphotographier.com. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter pour profiter des bonus vidéos gratuits, savoir comment réaliser un portrait de qualité professionnelle ou flash et en lumière naturelle, et puis d'avoir le livret cadeau en fonction des prises de vue que vous faites, quel type d'appareil photo acheter. Bridge, réflexe, hybride, compact. Je vous explique tout ça dans ce livret très complet. Donc n'hésitez pas, inscrivez-vous à la newsletter. Merci à vous, puis à très bientôt sur commentphotographier.com.